Bonjour à tous et bienvenue dans ce point 4. J'ai beau avoir un nouvel objectif, l'éclairage est toujours aussi dégueulasse. Donc je vais vous tenir un peu au courant de Clothing the Distance, mon nouveau court-métrage. Le montage est presque terminé. Les bruitages sont pas terminés, les voix off non plus. Il faut que j'enregistre 2-3 voix off encore. Et je dois rajouter 2-3 bruitages, mais les bruitages sont bientôt terminés. Le film sortira donc en décembre. Probablement pendant les vacances de décembre, avant une projection avec toute l'équipe dans la salle de cinéma prestigieuse qui est mon salon. Ça va être génial. Donc j'espère déjà que ça va vous plaire. En tout cas, on a passé un super moment. C'est 3 jours et demi de tournage intensif. C'était un bon moment. On a vraiment passé un bon moment. C'était une bonne expérience et j'espère pouvoir refaire ça car ça a été vraiment bien. Je tenais encore à remercier toute l'équipe pour m'avoir aidé à porter ce rêve, le rêve de réaliser un premier film. C'était dur, c'était long, c'était fatigant, mais c'était bien. Je suis très content de l'avoir fait, j'espère que vous l'êtes aussi, parce que vous avez été géniaux sur le tournage. Voilà. Sur ce, je vous laisse avec quelques extraits du making-of du film. Thank you.
comme vous voyez, c'est souvent parti en steak, hein. 3 jours et demi de tournage avec des adolescents. Ça part vite en steak, c'est obligé, c'est pas possible de faire autrement. On était tous crevés à la fin, on pouvait même plus rigoler, on avait juste envie de mourir à la fin. Voilà, bon, mais on a passé vraiment un bon moment, hein, comme vous avez pu le voir sur ces courtes images. Je le répète encore, j'espère que ce court-métrage va vous plaire, car il a été fait avec le cœur, avec les meilleures intentions du monde. Peut-être. Et je vous dis donc à une prochaine fois, sans doute pour la sortie de Clothing the Distance, je rappelle, pendant les vacances de décembre.